quelques semaines à peine au coin d'une rue du village de Pascoag dans l'état de Rhode Island un grand piéton puissamment bâti et à l'air sain est devenu de par sa conduite singulière l'objet de bien des spéculations il descendait semble-t-il de la colline par la route de Chepachet en arrivant dans l'agglomération il tourna à gauche dans l'artère principale à laquelle de modestes immeubles d'affaires donnent l'espace de quelques pâtés de maisons de faux airs de grande ville. C'est à cet endroit que, sans provocation apparente, il se mit à agir de façon surprenante. Après avoir fixé d'un air étrange le plus haut des bâtiments devant lui, il poussa des hurlements terrifiés et hystériques, puis se lança dans une course éperdue qui se termina par une chute au croisement suivant. Des mains obligeantes le relevèrent et l'époussetèrent. Il était conscient, physiquement indemne et manifestement remis de sa crise de folie passagère. Honteux, il balbutia qu'il avait été sujet à une forte tension nerveuse, puis, les yeux baissés, reprit d'un pas lourd le chemin de Chepatchet et disparut sans un regard en arrière. On trouva étonnant que pareil incident arrive à un homme de sa carrure. L'air normal et capable. Un témoin avait reconnu le pensionnaire du propriétaire bien connu d'une laiterie des environs de Chepachet, ce qui ne rendit pas l'anecdote moins insolite. Il s'avéra que l'inconnu, un certain Thomas F. Malone, était un inspecteur de police new-yorkais en congé de longue durée. Il était sous traitement médical suite à une affaire sordide qui avait accidentellement tourné au tragique et lui avait demandé un travail titanesque. De vieux bâtiments de briques s'étaient effondrés au cours d'une descente de police à laquelle il avait participé. Les nombreux morts, aussi bien chez les prisonniers que dans le rang de ses collègues, l'avaient plongé dans l'atterrement le plus total. Depuis l'incident, les immeubles rappelant même vaguement ceux qui s'étaient écroulés lui inspiraient une horreur aussi aiguë qu'anormale, si bien que les psychiatres lui avaient interdit la vue de ce genre d'édifice jusqu'à nouvel ordre. Un médecin de la police qui avait de la famille à Chepatchet avait suggéré que ce hameau pittoresque aux maisons coloniales en bois constituait l'endroit idéal pour se reposer l'esprit. Le malade s'y était donc rendu non sans avoir promis de ne jamais s'aventurer dans les rues bordées de bâtiments de briques des villages alentours avant d'avoir reçu l'autorisation du spécialiste de Woonsocket, avec qui on l'avait mis en contact. Il avait commis une erreur en allant acheter des magazines à Pascog. Peur, contusion et humiliation avaient été le prix à payer pour sa désobéissance. Voilà tout ce qu'en savaient les commères de Chepachet et Pascog et ce que pensaient les plus éminents spécialistes de son cas. Pourtant, il avait commencé par en révéler bien plus à ces derniers, mais s'était arrêté en constatant qu'il se heurtait à une incrédulité absolue. Après quoi, il se tint quoi, et ne protesta même pas quand les médecins conclurent que son déséquilibre nerveux était dû à l'effondrement de quelques sordides maisons de briques du quartier de Red Hook, à Brooklyn, et à la mort d'un grand nombre de courageux agents de police. Tout le monde affirmait qu'il avait travaillé trop dur à nettoyer ces nids de désordre et de violence. Certains éléments de l'enquête étaient déjà bien assez frappants. La tragédie inattendue avait été la goutte d'eau faisant déborder le vase. Cette explication simple était à la portée de tous, et comme Malone n'était pas un être simpliste, il avait compris qu'il valait mieux s'en tenir là. Confier à des gens sans imagination une horreur dépassant toutes les conceptions humaines, l'abominable vision de pâtés de maison rongés, tels des lépreux ou des cancéreux, par un mal venu de mondes antédiluviens, eût été comme réclamer une cellule capitonnée au lieu d'une retraite à la campagne. Malgré son mysticisme, Malone était un homme sensé. Il avait l'intuition des Celtes pour les choses étranges et cachées mais le coup d'œil rapide du logicien qui lui permettait en un rien de temps de voir que son interlocuteur n'était pas convaincu. Un mélange qui, au fil de ses quarante-deux années d'existence, l'avait mené dans des endroits inattendus et étranges pour un étudiant de l'université de Dublin, né dans une villa géorgienne près de Phoenix Park. À présent, lorsqu'il passait en revue les horreurs qu'ils avaient vues, subodorées et appréhendées, Malone se félicitait d'avoir gardé secret ce qui l'avait réduit, lui le combattant indomptable, à l'état de névrosé tremblant, ce qui avait transformé de vieux taudis de briques et des foules de visages sombres et furtifs en visions de cauchemars et de mauvais augures. Ce ne serait pas la première fois que ces sensations resteraient inexpliquées, d'ailleurs le fait de s'être plongé dans l'abîme polyglotte de la pègre new-yorkaise n'était il pas en soi une bizarrerie défiant toute explication rationnelle? Comment parler à ces esprits prosaïques de sorcellerie ancienne, des grotesques étrangetés que seuls des yeux sensibles pouvaient distinguer dans le chaudron empoisonné où tous les résidus de ces âges malsains mêlent leur venin et perpétuent leur terreur obscène? Il avait distingué la flamme verte infernale de l'inconnu et du secret au milieu du battage flagrant et évasif de l'avidité extérieure et du blasphème intérieur, et avait souri doucement quand tous les New Yorkais qu'il connaissait s'étaient gaussés de son expérience dans la police. Il s'était montré particulièrement spirituel et cynique en se moquant de sa quête fantastique des mystères insondables, et en lui assurant qu'à notre époque, New York n'était plus que médiocrité et vulgarité. L'un d'eux lui avait parié une grosse somme qu'il ne pourrait même pas écrire une histoire vraiment intéressante sur les bas-fonds de New York, et ce, bien qu'il fût l'auteur de nombreux articles passionnants dans le Dublin Review. À présent, en y réfléchissant, il sentait que l'ironie du sort avait justifié les paroles de l'augure. Tout en réfutant secrètement leur légèreté. L'horreur qu'il avait fini par contempler ne pouvait constituer le sujet d'une histoire. Car, de même que le livre cité par un critique allemand de Pau, « Es lässt sich nicht lesen elle ne se laisserait pas lire. avait toujours pressenti la présence d'un mystère latent dans l'existence. Dans sa jeunesse, il percevait la beauté et l'extase cachées des choses et était poète. Mais la pauvreté, le chagrin et l'exil l'avaient forcé à tourner le regard dans d'autres directions plus sombres. Il avait frémi de voir comme le mal était implanté dans le monde qui l'entourait son quotidien n'était plus qu'une fantasmagorie d'ombres macabres tantôt vernis, scintillant et menaçant dissimulant une pourriture sous jacente dans le plus pur style de Beardsley, tantôt évoquant à mi-mot la terreur qui se cache derrière les formes et objets de tous les jours comme dans les travaux plus subtils moins premier degré de gustave doré pour lui il était heureux que la plupart des gens dotés d'une grande intelligence se rient des mystères les plus impénétrables. Car, pensait-il, si les esprits supérieurs venaient jamais à se trouver au contact des secrets préservés par des cultes anciens et modestes, les anomalies qui en résulteraient auraient vite fait non seulement de provoquer la ruine du monde, mais aussi de menacer l'intégrité de l'univers. Ce raisonnement était évidemment morbide, mais d'une logique imparable et empreint d'un profond humour. Malone se satisfaisait que ses idées fussent considérées comme de vagues visions interdites dont on pouvait se moquer. L'hystérie ne survint que lorsque le devoir le jeta dans les griffes d'une révélation trop soudaine et insidieuse pour qu'il pût y échapper. Il était affecté depuis quelque temps au poste de police de Butler Street, à Brooklyn, lorsqu'il eut connaissance de l'affaire de Red Hook. Ce quartier est un dédale sordide, peuplé de gens de toutes origines, près de l'ancien quai en face de Governor's Island. De là, ces ruelles sales gravissent la colline jusqu'à Clinton Street et Court Street, des rues gagnées par le pourrissement, qui de là conduisent vers Borough Hall. Les maisons, pour la plupart en briques, datent de la première moitié du XIXe siècle. Certaines ruelles et allées secondaires, particulièrement obscures, ont cette séduisante saveur d'antan que les conventions littéraires nous font qualifier de dickensienne. La population est irrémédiablement mélangée et énigmatique. Syriens, Espagnols, Italiens et Noirs se marchent les uns sur les autres, non loin de fragments de quartiers scandinaves et américains. Ce haut lieu du brouhaha et de la saleté fait entendre des cris étranges en réponse au clapotis des vagues huileuses sur ses appontements crasseux et aux monstrueuses litanies d'orgues des sifflets du port. Il y a bien longtemps, cet endroit était tout à fait différent entre les marins aux yeux clairs des rues basses et les grandes demeures des hauteurs, foyers où régnaient intelligence et bon goût. On peut trouver les vestiges de cet ancien bonheur dans la silhouette élancée des bâtiments et dans la forme gracieuse de certaines églises, et la preuve de l'existence d'une tradition et d'un art originaux dans certains détails épars. Un escalier usé, un pas de porte abîmé, une paire de colonnes vermoulues, ou un coin de parc jadis vert aux grilles de fer tordues et rouillées. Les maisons sont en général collées les unes aux autres, et ici et là, une coupole percée de nombreuses fenêtres se dresse, témoin d'un temps où des familles de capitaines et d'armateurs contemplaient la mer. De ce fouillis de putréfaction matérielle et spirituelle, les blasphèmes d'une centaine de dialectes montent à l'assaut des cieux. Des hordes de rôdeurs titubants arpentent les ruelles et artères en beuglant et en chantant. De temps en temps, une main furtive éteint brusquement la lumière et tire les rideaux, et des visages basanés, grêlés par le péché, disparaissent des fenêtres quand des visiteurs s'aventurent dans leur rue. La police désespère de rétablir l'ordre ou de voir la moindre amélioration, et cherche plutôt à ériger des barrières pour protéger le monde extérieur de la contagion. Le fracas de la patrouille obtient pour toute réponse un silence spectral, et les truands, lorsqu'ils sont pris, ne font jamais de confidences. Les délits sont aussi variés que les dialectes locaux. Ils vont de la contrebande de Rome et l'introduction d'interdits de séjour au meurtre et à la mutilation les plus horribles, en passant par tous les degrés d'illégalité, tous les vices les plus obscurs. Le fait que l'on ne constate pas plus souvent ce genre de délit est arrangé avec les nombreux défauts du quartier, le savoir-faire en matière de dissimulation n'étant pas franchement une qualité. Il entre plus de gens à Red Hook qu'il n'en sort, ou en tout cas qu'il n'en sort par voie terrestre, et ceux qui partent sont en général les moins loquaces. Malone décelait dans cet état de choses un certain relent évoquant des secrets plus terribles que n'importe lequel des péchés que dénoncent les citoyens et déplorent les prêtres et philanthropes. Cet homme, qui alliait imagination et connaissance scientifique, savait que nos contemporains, lorsqu'ils vivent au contact de l'illégalité, ont une étrange tendance à reproduire dans leur vie quotidienne et les rituels qu'ils observent. Les schémas instinctifs les plus noirs, les plus primitifs de leurs ancêtres, ces sauvages à moitié simiesques. Il avait souvent observé avec un frisson d'anthropologue les processions de jeunes gens aux yeux chassieux et à la peau tavelée, qui marchaient dans le petit matin sombre en chantant et blasphémant. On voyait en permanence des groupes de jeunes de ce genre. En faction, l'air menaçant au coin des rues ou sur le pas d'une porte, jouant sinistrement sur un instrument de musique bon marché, somnolant, l'air ahuri ou plongé dans des conversations indécentes, attablés dans une cafétéria près de Broke Hall. Parfois, ils discutaient à voix basse autour de minables taxis garés près du perron surélevé d'une vieille maison branlante aux volets soigneusement clos. Malone n'aurait osé dire à ses collègues à quel point tout cela l'effrayait et le fascinait. En effet, il croyait voir dans le comportement de ces gens le fil monstrueux d'une continuité secrète, un schéma récurrent et cryptique, aussi ancien que maléfique, tout à fait au-delà et en deçà de la masse sordide des faits, habitudes et repères dont la police dressait si consciencieusement la liste. Il devait s'agir, pensait-il, des héritiers de quelques traditions primitives et choquantes partageant des cultes et cérémonies vestigiaux, avilis et disparates, qui dataient d'avant l'humanité. Leur cohérence et leur efficacité le suggéraient, de même que l'ordre que l'on soupçonnait derrière leur sordide désorganisation apparente. Malone n'avait pas lu en vain des traités comme le culte de la sorcellerie en Europe occidentale de mademoiselle Murray. Il savait que, jusqu'à des temps récents, les paysans et les gens sournois étaient restés fidèles à un système effrayant et clandestin de réunions et d'orgies, système qui remontait aux sombres religions antérieures au monde arien, et que l'on retrouve dans les légendes populaires sous la forme de messes noires et autres sabbats de sorcières. Malone n'imaginait pas un seul instant que ces vestiges infernaux de la vieille magie et des cultes de la fertilité asiatico-touranien fussent tout à fait morts. Il se demandait d'ailleurs si certains d'entre eux n'étaient pas plus vieux et plus noirs que les pires légendes qui se racontaient à voix basse. C'est l'affaire Robert Swedham qui plongea Malone au cœur des choses à Red Hook. Swedham, vieux reclus érudit descendant d'une ancienne famille hollandaise, vivait difficilement de ses rentes. Il habitait le manoir spacieux mais mal entretenu que son grand-père avait bâti à Flatbush, à l'époque où le village n'était guère plus qu'un joli hameau de maisons coloniales, autour du clocher couvert de lierre de l'église réformée avec son cimetière néerlandais entouré d'une clôture en fer. Si l'on omettait une période de huit ans où il était retourné dans l'ancien monde une vingtaine d'années plus tôt, Swedam avait passé les soixante dernières années à lire et ruminer dans ce manoir, coupé du reste de Martin Street par son jardin aux arbres vénérables. Il ne pouvait se permettre d'avoir des domestiques, et rares étaient les visiteurs admis à troubler son extrême solitude, il évitait de trop s'attacher et recevait ses quelques connaissances dans l'une des trois pièces du rez-de-chaussée qu'il maintenait en état. Une vaste bibliothèque, haute de plafond dont les murs étaient couverts de livres en piteux état, d'un aspect lourdeau, archaïque et vaguement repoussant. La croissance de la ville, et en fin de compte son absorption par le quartier de Brooklyn, n'avaient fait ni chaud ni froid à Swedam. D'ailleurs, la ville l'avait pour ainsi dire oublié. Si les personnes âgées le reconnaissaient encore dans la rue, la plupart des riverains récents ne voyaient en lui qu'un drôle de vieillard corpulent, dont les cheveux blancs dépeignés, la barbe de trois jours, les habits noirs lustrés et la canne à pomme d'or ne méritaient guère plus qu'un coup d'œil amusé. Malone ne l'avait encore jamais vu lorsqu'on l'affecta à cette affaire. Cependant, il avait indirectement entendu parler de lui comme d'une autorité en matière de superstition médiévale. Il avait même vaguement eu l'intention de consulter son ouvrage épuisé sur la cabale et la légende de Faust, ouvrage qu'un ami à lui avait cité de mémoire. L'affaire, Swedam, commença quand des parents éloignés, les seuls qui lui restaient, essayèrent d'obtenir un jugement du tribunal sur sa santé mentale si leur action sembla soudaine aux yeux du monde extérieur, elle était en réalité le fruit d'une observation prolongée et d'un débat pénible. Elle était fondée sur des changements curieux dans ses habitudes et sa manière de parler, ses allusions insensées sur l'imminence d'événements incroyables, et sa fréquentation inexplicable des zones malfamées de Brooklyn. De plus en plus négligée au fil des années, c'était désormais un homme à l'apparence de clochard qui errait par les rues. Ses amis, humiliés, l'apercevaient parfois dans des stations de métro ou flânant sur les bancs publics aux alentours de Borough Hall, où il discutait avec des groupes d'étrangers à la peau mate et à l'air patibulaire. Quand il parlait, c'était pour tenir des propos incohérents sur le fait qu'une puissance sans borne était presque à sa portée. Et pour répéter avec des clins d'œil entendus des mots ou noms mystiques comme Séphiroth, Ashmedaï ou Samaël. L'enquête révéla qu'il dilapidait son capital et ses revenus en achetant de curieux grimoires importés de Londres et de Paris et en entretenant un appartement sordide dans un sous-sol du quartier de Red Hook. Appartement où il passait presque toutes ses nuits à recevoir des délégations bizarres de gens tapageurs et d'étrangers, et apparemment à diriger des cérémonies secrètes derrière les stores verts baissés. Dans leur rapport, les enquêteurs chargés de le filer racontèrent avoir entendu, au cours de ces rites nocturnes, des cris, des mélopées et des bruits de danses étranges. Il frissonnait en évoquant la sauvagerie inhabituelle de ces manifestations, et ce, bien que les orgies fussent aussi fréquentes que surprenantes dans ce quartier léthargique. Cependant, lors de l'audience qui suivit l'enquête, Swédam parvint à conserver sa liberté. Devant le juge, ses manières se firent courtoises et raisonnables, et il admit sans mal l'étrangeté de son comportement et l'extravagance de son langage, tout en les attribuant à une passion excessive pour la recherche. Il se consacrait, confia t-il, à l'étude de certains traits particuliers de la tradition européenne, travail qui l'obligeait à côtoyer des groupes d'étrangers afin de pouvoir s'imprégner de leurs chants et danses folkloriques. Et l'idée, suggérée par sa famille, que quelque basse société secrète puisse en avoir après lui, était évidemment absurde. Et démontrait que ses parents éloignés ne savaient rien de lui ou de ses travaux. Ses explications posées lui sauvèrent la mise. Le juge le laissa repartir libre. Résignés et écœurés, les Swedam, les corlear et les Van Brunt durent renvoyer les enquêteurs qu'ils avaient engagés. C'est là qu'une alliance de fédéraux et de policiers, dont Malone, entre en scène. Les forces de l'ordre avaient suivi l'affaire Swidam avec intérêt. On les avait souvent appelés à la rescousse des détectives privés. Il en était ressorti que les nouvelles relations de Swidam comptaient parmi les criminels les plus vils et dangereux à fouler les ruelles sordides de Red Hook, et qu'au moins un tiers d'entre eux étaient récidivistes en matière de vol, de troubles à l'ordre public et d'organisation de réseaux d'immigration clandestine. En effet, on pouvait dire sans mentir que le cercle spécial du vieil érudit coïncidait presque parfaitement avec celui des pires bandes organisées faisant entrer clandestinement la lie des asiatiques anonymes et non répertoriés, qu'Ellis Island rejetait à raison. Dans les nids grouillants de Parker Place, depuis rebaptisé, où Swedam avait son appartement, s'était développée une bien étrange colonie de sans-papiers aux yeux bridés, qui utilisait l'écriture arabe mais que les nombreux Syriens vivant sur Atlantic Avenue et autour rejetaient bruyamment. L'absence de papiers en règle aurait pu permettre de les expulser, mais l'administration est lente, et on ne faisait pas de descente à Red Hook sans y être obligé par l'opinion publique ces créatures se réunissaient dans une église en pierre délabrée dont les contreforts gothiques se dressaient non loin de la portion la plus infecte du front de mer et qui servait de salle de bal le mercredi à l'origine l'édifice était catholique mais les prêtres de Brooklyn ne lui reconnaissaient aucune légitimité et les policiers qui entendaient les bruits qui en sortaient la nuit ne pouvaient qu'abonder dans leur sens Malone avait l'impression de distinguer de terribles basses éraillées, émanant d'un orgue caché loin sous terre, alors que l'édifice lui même était désert, toutes lumières éteintes. Tous les observateurs ressentaient de l'effroi en entendant les cris stridents et les bruits de tambours qui accompagnaient les offices. Swedam, quand on l'avait interrogé, avait dit que ce rituel devait être un vestige de christianisme nestorien teinté de chamanisme tibétain. La plupart de ces gens, supposait-il, étaient d'origine mongole et venaient du Kurdistan ou de ses environs. Et Malone ne pouvait s'empêcher de se rappeler que le Kurdistan était la terre des yézidis, derniers descendants survivants des Perses, adorateurs du diable. Quoi qu'il en soit, il était ressorti de l'enquête sur l'affaire Swedam que les nouveaux arrivants clandestins étaient toujours plus nombreux à affluer à Red Hook. Grâce à des passeurs, ils parvenaient à débarquer sans se faire prendre par les douaniers et la police portuaire, puis envahissaient Parker Place et se répandaient rapidement vers le sommet de la colline. Les autres étrangers d'origines diverses habitant les parages les accueillaient avec une fraternité curieuse leurs silhouettes trapues et leurs yeux plissés si caractéristiques combinés pour un résultat ridicule à des vêtements américains tape à l'œil apparaissaient de plus en plus souvent parmi les tire-au-flancs et les voyous errants de la zone de Borough Hall si bien qu'à la fin il devint nécessaire d'évaluer leur nombre, de s'assurer de leurs origines et de leurs activités, et de trouver, si possible, un moyen de les rassembler afin de les livrer au service d'immigration. Les fédéraux et la police de New York s'accordèrent pour affecter Malone à cette tâche. Dès qu'il commença à passer le quartier au crible, il eut l'impression d'être en équilibre au bord d'un terrifiant abîme, la figure négligée et débraillée de Robert Swedham, faisant office d'adversaire démoniaque. Les méthodes policières sont variées et ingénieuses. Malone, par des promenades discrètes, des conversations soigneusement anodines, des offres opportunes de rasades de liqueurs et de judicieuses discussions avec des prisonniers effrayés, a pris bien des faits isolés sur ce mouvement devenu si inquiétant. Les nouveaux venus étaient bien kurdes, mais leur dialecte obscur défiait l'analyse philologique. Ceux qui ne chômaient pas étaient pour la plupart dockers ou vendeurs à la sauvette, mais travaillaient souvent comme serveurs dans les restaurants grecs, ou tenaient les kiosques à journaux. La majorité d'entre eux, cependant, n'avaient aucun moyen visible de subsistance, et trempaient manifestement dans des activités illégales, parmi lesquelles la fraude et la contrebande d'alcool étaient les délits les moins abjects. Ils étaient arrivés dans des bateaux à vapeur, apparemment des caboteurs, qui les avaient débarqués par une nuit sans lune dans des canaux qui se glissaient sous un quai, et suivaient un canal caché jusqu'à un bassin souterrain et secret, sous une maison. Malone ne put jamais localiser ni le quai, ni le canal, ni la maison, ses informateurs ayant la mémoire excessivement embrouillée, et fournissant des explications incompréhensibles, y compris même pour les meilleurs interprètes il n'eut pas plus de succès lorsqu'il essaya de connaître les raisons de cette immigration systématique il taisait l'endroit exact d'où il venait et ne se montrait jamais assez imprudent pour révéler qui était venu les chercher et les avait guidés en fait une peur aiguë s'emparait d'eux quand on leur demandait les raisons de leur présence quant aux voyous d'origines différentes ils se montraient tout aussi taciturnes au final malone réussit à apprendre qu'une sorte de divinité ou de grand prêtre leur avait promis une puissance inouïe, une gloire surnaturelle, et qu'ils deviendraient les maîtres d'un lointain pays nouveaux arrivants et voyous aguerris venaient très régulièrement aux réunions nocturnes de swedam réunions dont la teneur restait décidément secrète et la police ne tarda pas à découvrir que l'ancien reclus louait des appartements supplémentaires pour accueillir ceux qui connaissaient son mot de passe. À la fin, il louait trois maisons entières, dans lesquelles il logeait beaucoup de ses étranges compagnons de façon permanente. Swedam ne vivait plus vraiment à Flatbush. Il n'y passait qu'en coup de vent, apparemment pour prendre ou rapporter des livres. Quant à son visage et à ses manières, ils étaient devenus consternants de sauvagerie. Malone l'accosta à deux reprises, mais chaque fois, le vieil homme le repoussa sans embâge. Il affirmait tout ignorer de ces complots et mouvements mystérieux, et ne savait ni comment les Kurdes étaient entrés en Amérique, ni ce qu'ils cherchaient. Tout ce qu'il voulait, c'était étudier les traditions de tous les immigrés du secteur sans être dérangé. Or, cela ne concernait en rien la police. Malone lui avoua admirer sa vieille monographie sur la cabale et autres mythes, mais Swidam ne se radoucit pas longtemps. Sentant son interlocuteur intrusif, il les conduisit sans ambiguïté, si bien que Malone, écœuré, se retira et se tourna vers d'autres sources d'informations. On ne saura jamais ce qu'il aurait découvert s'il avait pu travailler de façon continue sur l'affaire. Malheureusement, un conflit stupide entre la police de la ville et les fédéraux interrompit l'enquête pendant plusieurs mois, durant lesquels l'inspecteur fut affecté à d'autres missions. Toutefois, il ne se désintéressa jamais du cas Swedam, et c'est avec un grand étonnement qu'il remarqua le changement qui avait commencé à se produire chez le vieil homme. Au moment où une vague de kidnapping et de disparitions bouleversa New York l'érudit négligé entama une métamorphose aussi surprenante qu'absurde. Un jour on le vit près de Borough Hall le visage rasé, les cheveux coupés, et vêtu d'un habit immaculé et de bon goût. Chaque jour qui suivit, les gens remarquèrent de discrètes améliorations. Il ne cessa pas de cultiver sa nouvelle méticulosité, à laquelle vinrent s'ajouter un regard d'un éclat inhabituel, et une élocution nette et précise. Petit à petit, il perdit la corpulence qu'il avait si longtemps déformée. Désormais, on lui donnait souvent moins que son âge. Il avait le pas alerte et l'entrain des jeunes d'aujourd'hui, et ses cheveux foncèrent sans que cela semblât être le résultat d'une teinture. À mesure que les mois passaient, il s'habillait d'une façon de moins en moins désuète, et enfin, au grand étonnement de ses nouveaux amis, il fit rénover et redécorer son manoir de Flatbush, dont il ouvrit les portes à l'occasion d'une série de réceptions, auxquelles il invita toutes les relations qui lui revinrent à l'esprit, en particulier ses lointains parents qui avaient si récemment essayé de le faire interner, mais à qui Swedam avait tout à fait pardonné. Certains vinrent par curiosité, d'autres parce qu'ils ne pouvaient faire autrement. Mais tous furent aussitôt charmés par la grâce et l'urbanité naissante de cet ancien ermite. Il avait, disait-il, terminé l'essentiel du travail qui lui incombait, et comme il venait d'hériter d'un ami d'Europe dont il avait à moitié oublié l'existence, il comptait passer les années qui lui restaient à profiter de cette seconde jeunesse plus riante, à laquelle il avait droit à force de quiétude, de soins, et grâce à un régime sain on le vit de moins en moins à red hook et de plus en plus dans la société à laquelle sa naissance l'avait destiné la police remarqua que les voyous avaient tendance à se réunir à la vieille église qui faisait office de salle de bal plutôt que dans l'appartement sous-sol de parker place quoique ce dernier et ses annexes fussent toujours bondés de sordides créatures puis deux incidents survinrent fort éloignés l'un de l'autre mais présentant tous deux un grand intérêt pour l'affaire telle que Malone la concevait le premier fut l'annonce discrète dans les pages de Legal des fiançailles de Robert Swedham et Cornelia Gerritsen de Bayside une jeune femme à la situation excellente parent éloignée de son futur époux le second fut une descente de police dans l'ancienne église suite à un rapport selon lequel on avait vu le visage d'un enfant kidnappé apparaître, l'espace d'une seconde, à une fenêtre du sous-sol. Malone, qui avait participé à la descente, en avait profité pour étudier attentivement les lieux. On ne trouva rien, de fait, le bâtiment était totalement désert lors de la perquisition, mais le Celte au sens aiguisé se sentit quelque peu perturbé par presque tout ce qu'il vit à l'intérieur. Des panneaux sommairement peints, notamment, lui déplurent. Y étaient représentés des visages sacrés arborant des expressions particulièrement terre à terre et cyniques, et qui, pour certaines, prenaient de telles libertés qu'il était difficile de les approuver, même lorsqu'on était profane en matière de bienséance. Il ne goûta pas davantage l'inscription en grec sur le mur, au-dessus de la chaire une incantation ancienne qu'il avait rencontrée par hasard du temps de ses études à Dublin, et qui, traduite littéralement, signifiait Ô oh, ami et compagne de la nuit, toi qui te réjouis des hurlements des chiens et du sang versé, qui erre parmi les ombres entre les tombes, qui assoif de sang et sème la terreur chez les mortels, Gorgone. Mormon, lune aux mille visages. Acceptez nos sacrifices. Malone frissonna en lisant ces mots et repensa vaguement aux notes d'orgue graves et éraillées qu'il avait imaginé entendre sous l'église certains soirs. Il frissonna de nouveau en voyant la rouille sur le pourtour d'une cuvette métallique posée sur l'autel et se figea nerveusement lorsque ses narines perçurent une puanteur aussi sinistre qu'étrange venant des alentours. Hanté par le souvenir de cet orgue, il explora le sous-sol avec la plus grande attention avant de partir. Il trouvait cet endroit tout à fait détestable. Mais fallait-il vraiment voir dans ces panneaux et inscriptions blasphématoires quelque chose de plus profond que les œuvres obscènes d'auteurs ignorants au moment du mariage de Swedham, les journaux populaires faisaient leur chou-gras de l'épidémie de kidnapping. La plupart des victimes étaient de jeunes enfants appartenant aux classes les plus modestes. La colère, cependant, montait avec le nombre de disparitions. La presse exigeait que la police agisse, si bien qu'une fois de plus, le poste de Butler Street envoya ses hommes à Red Hook en quête d'indices, de pistes et de coupables. Malone se félicita que l'enquête reprenne, et fut heureux de participer à une descente dans l'une des maisons que Swedam louait à Parker Place. On n'y trouva aucun enfant, malgré les rumeurs de cris et la découverte d'une écharpe rouge dans le voisinage. Mais les peintures et les grossières inscriptions sur les murs écaillés de la plupart des pièces, ainsi que le laboratoire de chimie primitif installé sous les combles, convainquirent l'inspecteur qu'il était sur la piste de quelque chose d'incroyable. Les peintures, monstres abominables de toutes tailles et formes, parodies indescriptibles à base de silhouettes anthropomorphes, étaient hideuses. Les inscriptions étaient en rouge et utilisaient des caractères tantôt arabes, tantôt grecs, latins ou hébreux. Malone ne put déchiffrer la plupart d'entre elles, mais ce qu'il parvint à lire était cabalistique et d'assez mauvais augure. L'un des motifs les plus fréquemment répétés, rédigé dans une sorte de grec hellénistique hébraïsé, rappelait les pires évocations de démons de la décadence alexandrine. Hel, Elohim, Soter, Emmanuel, Sabaoth, Agla, Tetragrammaton, Agiros, Otéos, Iskiros, Atanatos, At Yehovah va Adonai, Sadaï Omousion, Messias, Escherheye. La profusion de cercles et de pentagrammes révélait sans doute possible les aspirations et croyances insolites de ceux qui menaient dans ces lieux une vie si sordide. Cependant, c'est à la cave que l'on fit la découverte la plus bizarre une pile de véritables lingots d'or, négligemment recouverte d'un morceau de toile. On retrouvait sur la surface brillante des lingots les mêmes hiéroglyphes étranges que sur les murs. Au cours de l'intervention, les policiers ne rencontrèrent qu'une résistance passive de la part des innombrables orientaux aux yeux bridés qui affluaient par toutes les portes. Ne trouvant rien de concluant, ils durent tout laisser en l'état, Cependant, le commissaire écrivit à Swedam une lettre pour lui enjoindre de garder ses locataires et ses protégés à l'œil, les habitants de la ville étant de plus en plus mécontents. Puis en juin arriva le mariage et un incident qui fit grande sensation. En toute fin de matinée, Flatbush nageait dans l'euphorie. Les voitures décorées pullulaient dans les rues des alentours de la vieille église hollandaise. Devant cette dernière était tendu un auvent qui allait jusqu'à la chaussée. Aucun événement local ne surpassa le mariage Swedam-Geritsen, tant au niveau de l'ambiance que de l'ampleur. Et ceux qui accompagnèrent les époux jusqu'à l'appontement de la compagnie Connade, s'ils n'étaient pas vraiment les plus chics, remplissaient une bonne page du bottin mondain. À cinq heures, on échangea les adieux, puis le paquebot s'éloigna pesamment le long de la jetée, tourna lentement le nez vers le large, se détacha de son remorqueur, et se dirigea vers les espaces marins de plus en plus vastes qui conduisaient à l'ancien monde et à ses merveilles. À la nuit, le bateau avait dépassé l'avant-port les passagers qui s'étaient attardés sur le pont regardaient les étoiles scintiller au-dessus de l'océan immaculé nul ne saurait dire si ce fut le cargo ou le cri qui attira en premier l'attention sans doute les deux advinrent ils simultanément mais il est de toute façon inutile de se perdre en conjectures le cri provenait de la luxueuse cabine des Sweden. Le matelot qui défonça la porte aurait peut-être pu raconter des choses effroyables s'il n'était pas devenu complètement fou. Il hurla encore plus fort que les victimes, puis courut dans tout le bateau en gênant, jusqu'à ce qu'on l'attrape pour le mettre au fer. Le docteur Dubord, qui un peu plus tard entra dans la cabine et alluma la lumière, ne fut pas pris de démence. Cependant, sur le moment, il ne dit à personne ce qu'il avait vu. Et ne raconta son histoire que lorsqu'il correspondit avec Malone, alors que celui-ci habitait à Chopatchet. Il y avait eu meurtre, strangulation pour être précis, mais il faut préciser que la marque de griffe sur la gorge de Madame Swidam ne pouvait avoir été laissée par la main de son mari, ni une quelconque main humaine. Par ailleurs, pendant un instant brilla sur le mur blanc un mot en lettres de feu. À en croire ce que le médecin du bord nota de mémoire après les faits, il s'agissait ni plus ni moins du mot Lilith, tracé en caractères chaldéens terriblement évocateurs. Toutefois, tout cela disparut si vite qu'il lui parut préférable de garder l'anecdote pour lui. Quant à l'état de Swidam, on ne put qu'interdire l'accès à sa cabine le temps de savoir que penser de l'affaire le docteur assura à Malone qu'il n'avait pas vu la chose. Juste avant d'allumer la lumière, il aperçut, l'espace d'une seconde, une sorte de phosphorescence au niveau du hublot ouvert, et pendant quelques instants, il lui sembla entendre au dehors, dans la nuit, le très léger écho d'un ricanement infernal. Cependant, il n'aperçut aucune forme distincte. Pour preuve de ce qu'il avance, le médecin souligne qu'il est toujours sain d'esprit. Sur ce, le caboteur à vapeur attira toute l'attention. Un canot accosta le paquebot qui était temporairement à l'arrêt. Une horde de ruffians basanés et insolents en uniforme d'officier l'envahit. Ils voulaient Swidam ou son corps. Ils étaient au courant de son voyage et, bizarrement, semblaient persuadés qu'il mourrait. La pagaille régnait sur la passerelle. Sur le moment, entre le médecin qui faisait son rapport et les exigences des hommes du caboteur, même le marin le plus sage et le plus concentré n'aurait pu avoir les idées claires. Tout à coup, le chef des intrus, un arabe à la bouche charnue, produisit une feuille sale et froissée qu'il tendit au capitaine. Le document, signé Robert Swedham, comportait le singulier message que voici. En cas d'accident ou de décès soudain ou inexpliqué, merci de me livrer ou de livrer mon corps, sans poser de questions, au porteur de ce message et à ses associés. Pour moi et peut-être pour vous, tout dépend du respect absolu de cette demande. Il y aura un temps pour les explications. Pour l'heure, faites ce que je vous dis. Robert Swedham. Le capitaine échangea un regard avec le médecin, qui lui chuchota quelque chose. Enfin, se sentant dépassé, ils acquiescèrent et conduisirent les indésirables dans la cabine des Suidam. Le docteur fit signe au capitaine de détourner le regard pendant qu'il ouvrait la porte et faisait entrer les étranges marins. Il parut inquiet jusqu'à ce qu'ils ressortent, après un temps inexplicablement long avec leur fardeau. Celui-ci était enveloppé dans les draps des couchettes, et le médecin se réjouit de ce que la forme du paquet ne fût pas trop révélatrice. Les intrus parvinrent à faire passer le corps par-dessus le bastingage et à l'emporter dans leur propre bateau sans le découvrir. Le paquebot se remit en marche. Le docteur et un croque-mort de la compagnie retournèrent dans la cabine des Suidam pour rendre les derniers devoirs à la défunte. Une fois encore, le médecin du bord dut faire preuve de réserve, et même aller jusqu'au mensonge, car il s'était produit une chose infernale. Lorsque le croque-mort lui demanda pourquoi il avait vidé Madame Suidam de tout son sang, il omit de répondre qu'il n'avait rien fait de tel. Il ne signala pas davantage les bouteilles manquantes dans le bar, ni la forte odeur de l'évier, qui montrait que l'on s'était débarrassé à la hâte du contenu originel des dites bouteilles. Quand les hommes, si c'était bien des hommes, avaient quitté le paquebot, le docteur avait remarqué des renflements anormaux dans leurs poches. Deux heures plus tard, le monde apprenait par radio tout ce qu'il avait besoin de savoir sur cette horrible affaire. Ce même soir de juin, Malone, sans avoir eu vent de ce qui s'était passé en mer, s'affairait avec l'énergie du désespoir dans les ruelles de Red Hook. Une agitation soudaine semblait s'être emparée du quartier, comme s'ils avaient été informés par le téléphone arabe de quelque incident singulier, les riverains s'attroupaient autour de l'église Salle de Bal et des maisons de Parker Place. Ils avaient l'air d'attendre quelque chose. Trois enfants, de petits Norvégiens des rues voisines du quartier de Gowanus, venaient de disparaître, et le bruit courait qu'une foule de solides Vikings se formait là-bas. Il y avait des semaines que Malone exhortait ses collègues à nettoyer le quartier de fond en comble. Enfin, impressionnés par une situation plus concrète que les conjectures de ce rêveur d'Irlandais, ils avaient décidé de frapper un grand coup l'agitation et l'atmosphère menaçante qui régnaient ce soir-là avaient été le déclencheur et aux alentours de minuit les agents de trois postes firent une descente dans parker place et ses environs ils défoncèrent des portes et arrêtèrent des traînards des pièces éclairées à la bougie vomirent d'innombrables étrangers d'origines diverses vêtus de robes et de mitres et munis d'accessoires inexplicables on perdit beaucoup de ces derniers dans la mêlée. Des objets furent jetés à la hâte dans des puits dont les forces de l'ordre n'avaient jamais remarqué l'existence, et des odeurs révélatrices furent neutralisées par la combustion inopinée de bâtons d'encens à l'odeur âcre. Toutefois, il y avait des éclaboussures de sang partout, et Malone frissonnait chaque fois qu'il voyait un brasero ou un hôtel encore fumant. Il aurait voulu être partout à la fois, mais ne se décida pour l'appartement sous-sol de Swedham que lorsqu'un messager lui apprit que l'église en ruine était totalement vide. L'appartement, pensait-il, devait recéler un indice permettant de remonter la piste du culte dont l'érudit occultiste était manifestement devenu le centre et le chef. C'est donc avec un réel espoir qu'il mit sans dessus-dessous les pièces moisies, non sans remarquer leur vague odeur de charnier. Et examina les curieux livres, instruments, lingots d'or et bouteilles à bouchons de verre disséminés dans tout l'appartement. À un moment, un chat efflanqué noir et blanc se faufila entre ses jambes. En trébuchant, Malone renversa une cornue à moitié pleine de liquide rouge. Le choc fut intense et à ce jour, le policier n'est toujours pas sûr de ce qu'il a contemplé mais le félin qu'il revoit détaler dans ses rêves est atteint de monstrueuses malformations parvenu à la cave il découvrit une porte fermée à clef il chercha de quoi l'enfoncer un lourd tabouret était posé à proximité l'assise solide suffirait amplement à casser les vieux panneaux de bois une fissure se forma puis s'élargit et enfin la porte entière céda mais dans la direction de Malone. Un tourbillon hurlant de vent glacial jaillit des ténèbres, chargé de toutes les puanteurs de l'abîme insondable, et une force qui ne provenait ni de cette terre ni des cieux enveloppa sciemment l'inspecteur paralysé et l'entraîna par l'ouverture dans des espaces incommensurables, emplis de chuchotis, de gémissements et de rafales de rires moqueurs. Bien sûr, ce n'était qu'un rêve. Tous les spécialistes le lui ont dit, et il n'a aucune preuve du contraire. D'ailleurs, il préférerait qu'ils aient raison, car alors, la vision de vieux taudis en briques et de visages d'étrangers à la pomate ne lui rongerait pas l'âme de la sorte. Mais, sur le moment, cela lui parut horriblement réel, et rien ne pourra effacer le souvenir de ces cryptes noires, de ces arcades titanesques, de ces infernales silhouettes gigantesques et plus ou moins informes qui marchaient en silence en tenant des choses à demi dévorées dont les parties encore vivantes hurlaient pour implorer leur tortionnaire ou partaient d'un rire dément. Les odeurs d'encens et de pourriture se mêlaient dans un écœurant concert et dans l'air noir se déplaçaient les masses incertaines, à moitié invisibles, de créatures élémentaires amorphes mais dotées d'yeux. Quelque part on entendait une eau sombre et visqueuse lécher des jetés d'onyx. À un moment, des clochettes grelottantes carillonnèrent bruyamment en réponse au gloussement fou d'une créature nue au corps phosphorescent qui approcha du bord à la nage monta sur la rive du fond en rampant, puis gravit un piédestal doré et sculpté sur lequel elle s'accroupit l'air mauvais. Des avenues plongées dans une nuit infinie semblaient rayonner dans toutes les directions, si bien que l'on pouvait se demander s'il ne s'agissait pas des racines d'une contagion destinée à corrompre et dévorer des villes, à étouffer les nations dans la fétidité de cette peste hybride. C'est là que le mal cosmique avait pénétré, là qu'il s'était envenimé sous l'effet de rites impies, et c'est là qu'avait commencé sa marche macabre et grimaçante qui devait, à force de pourrissement, faire de nous tous des monstruosités fongueuses, trop hideuses pour mériter une sépulture. C'est en ce lieu que Satan tenait sa cour babylonienne, et que l'on lavait dans le sang de l'enfance innocente, les membres lépreux de la phosphorescente Lilith. Incubes et succubes hurlaient à la gloire des quatre, pendant que les fœtus d'agneaux sans tête adressaient leurs bêlement à la mater. Les chèvres bondissaient au son maigrelet de flûtes maudites, et les égipans poursuivaient sans relâche des faunes difformes sur des rochers bossués rappelant des crapauds enflés. Moloch et Astaroth n'étaient pas absents. Car dans cette quintessence de toutes les damnations, les barrières de la conscience étaient abaissées, et l'imagination de l'homme était ouverte à la perception de tous les domaines de l'horreur, de toutes les dimensions interdites que le mal avait le pouvoir de façonner. Le monde et la nature étaient impuissants face aux assauts surgis des puits béants de la nuit, et nul signe, nulle prière n'aurait pu faire échec à ce déchaînement d'horreur digne de Valpurgis. Un déchaînement survenu lorsqu'un savant, possesseur de la clé maudite, avait rencontré par hasard une horde détenant le coffre cadenassé, plein à craquer, dans lequel se transmettaient les traditions démoniaques. Tout à coup, un ray de lumière physique traversa ses fantasmes, et Malone perçut un bruit de rame parmi les blasphèmes de toutes ces choses qui auraient dû être mortes. Apparut un bateau rapide dont la proue était surmontée d'une lanterne. Une fois amarré à un anneau de fer du quai de pierre poisseuse, il cracha plusieurs silhouettes d'hommes portant un fardeau de forme allongée et enveloppé dans des draps ils la portèrent à la forme nue et phosphorescente accroupie sur son piédestal d'or sculpté la créature gloussa en grattant le tissu alors les hommes désemmaillotèrent et maintinrent en position verticale devant le piédestal le cadavre gangrèneux d'un vieillard corpulent aux joues mal rasées et aux cheveux blancs en bataille lorsque la chose phosphorescente ricana de nouveau les hommes sortirent des bouteilles de leurs poches et oignirent ses pieds de liquide rouge, avant de donner les récipients à la créature afin qu'elle en boive le contenu. Tout à coup, dans une avenue couverte d'arcades qui s'étirait à perte de vue, retentit le poussif bruit de ferraille d'un orgue blasphématoire, dont la voix de basse éraillée et cynique traduisait, avec force grondements et toussottements, les moqueries de l'enfer. En un instant, toutes les entités qui bougeaient furent comme galvanisées. Elles formèrent aussitôt une sorte de procession cérémoniale, puis la horde cauchemardesque s'avança tel un serpent dans la direction du son. Chèvres, satyres, égipans, incubes, succubes et lémures, crapauds boursouflés, éléments amorphes, hurleurs à face de chiens, arpenteurs silencieux des ténèbres, tous ensemble menés par l'abominable être phosphorescent descendu de son trône d'or sculpté et qui marchait à grandes enjambées insolentes, emportant dans ses bras le cadavre aux yeux vitreux du vieillard corpulent. Les drôles d'étrangers à la pommade dansaient en queue de procession, la colonne entière sautillait et bondissait avec une fureur toute dionysiaque. Quelques pas derrière, Malone suivait les créatures en trébuchant. Embrouillé, en proie au délire, il ne savait plus quelle était sa place dans ce monde ou dans un autre. Alors il se détourna, chancela, et s'effondra sur la pierre froide et humide, haletant et frissonnant tandis que l'orgue maléfique poussait ses cris rauques et que s'éloignaient les hurlements, tambours et tintements de la folle procession. Il avait vaguement conscience d'entendre d'horribles psalmodies et d'affolants croassements dans le lointain. De temps en temps, un gémissement, un hurlement ou un chant cérémonial flottait jusqu'à lui en provenance de l'arcade noire jusqu'à ce qu'enfin retentisse l'effroyable incantation grecque dont il avait lu le texte au-dessus de la chaire de l'église en ruine. Ô ami et compagne de la nuit, toi qui te réjouis des hurlements des chiens et du sang versé, qui erres parmi les ombres entre les tombes, qui a soif de sang et sème la terreur chez les mortels, Gorgone. Mormone, lune aux mille visages, acceptez nos sacrifices. Ô oh, ami et compagne de la nuit, toi qui te réjouis des hurlements des chiens et du sang versé, qui erre parmi les ombres entre les tombes, qui soif du sang et sème la terreur chez les mortels. Gorgon, Mormon, Lune aux mille visages, acceptez nos sacrifices. Ô amis et compagne de la nuit, Toi qui te réjouis des hurlements chiens et, et du sang versé, Qui erre parmi les ombres entre les tons, qui a soif de sang et sème la terreur chez les mortels. Gordon, Mormon, Lune aux mille visage. acceptez nos sacrifices. Tandis que s'achevait l'incantation, un cri général s'éleva et des sifflements couvrirent presque les croissements graves et éraillés de l'orgue. Puis un soupir s'échappa des gorges innombrables, suivi d'un tohu-bohu d'aboiements et de bêlements qui formèrent les mots suivants Lilith, grande Lilith, contemple le marié. Il y eut encore des cris, une clameur d'émeute, puis les bruits de pas secs, percussifs, de quelqu'un qui courait. Comme les pas approchaient, Malone se redressa sur un coude pour regarder la luminosité de la crypte, après avoir diminué, augmentait légèrement. Et dans cette pénombre démoniaque, apparut la forme incertaine de ce qui n'aurait dû ni courir, ni ressentir, ni respirer. Le cadavre pourrissant aux yeux vitreux du vieil homme corpulent, qui n'avait plus besoin d'être soutenu Puisque l'infernale sorcellerie du rite qui venait de se terminer l'avait ranimé. Il était poursuivi par la chose nue et gloussante au corps phosphorescent, descendue de son perchoir sculpté, et de plus loin par les hommes à la pommade, pantelant, et toute la redoutable clique des horreurs conscientes. Le cadavre gagnait du terrain sur ses poursuivants et semblait se diriger de toutes les forces de ses muscles en décomposition vers un objectif précis, le piédestal doré, dont l'importance nécromantique était manifestement très grande. Il ne tarderait pas à atteindre son but, aussi la meute distancée redoubla d'énergie. Peine perdue, car la charogne aux yeux fixes, vestige de Robert Swedam, triompha dans un dernier sursaut qui lui déchira les tendons et se solda par l'effondrement de sa carcasse répugnante et par sa liquéfaction. L'effort avait été énorme, mais il avait tenu bon. Et tandis que son corps se transformait en flaque de pourriture gélatineuse, le piédestal qu'il avait poussé vacilla, bascula, et tomba de son socle d'onyx dans les eaux épaisses. Non sans que sa surface d'or sculpté ait envoyé un dernier scintillement, il s'enfonça pesamment dans les gouffres inimaginables du Tartare profond. C'est à cet instant précis que toute cette scène d'horreur s'évanouit sous les yeux de Malone. Il perdit connaissance au milieu d'un fracas de tonnerre qui éclipsa tout cet univers maléfique. Rarement, ce rêve que Malone fit avant d'avoir appris la mort et la disparition de Swedam en mer fut corroboré par des faits étranges en lien avec l'affaire. Cependant, ce n'est pas une raison pour croire en sa réalité. Les trois vieilles maisons de Parker Place, sans doute depuis longtemps gangrenées par le plus insidieux des pourrissements, s'effondrèrent sans raison apparente alors que la moitié des policiers et la plupart des prisonniers se trouvaient à l'intérieur. La plupart d'entre eux furent tués sur le coup. S'il y eut des survivants, ce fut uniquement dans les caves et les sous-sols. Malone eut de la chance d'être dans les profondeurs de la maison de Robert Swedham. Car il s'y trouvait vraiment. Personne ne songerait à le nier, puisqu'on le retrouva inconscient au bord d'une mare noire d'encre, non loin d'un horrible enchevêtrement de pourriture et d'ossements que l'on identifierait grâce à ses dents comme étant la dépouille de Suidam. L'explication était simple le canal souterrain des contrebandiers débouchait sous cette maison. Les hommes qui avaient accosté le paquebot n'avaient fait que ramener le vieil homme chez lui. Quant à eux, on ne les retrouva jamais ou en tout cas ils ne furent pas identifiés. Le médecin du bord, pour sa part. Ne se satisfit pas des certitudes simplistes de la police. Suédam, à l'évidence, faisait partie des organisateurs de ces vastes opérations visant à faire entrer des clandestins. Il y avait d'autres canaux souterrains et tunnels dans le voisinage. Une galerie menait de sa maison à une crypte située sous l'ancienne église, et qui, de l'église même, n'était accessible que par un étroit passage secret dans le mur nord de l'édifice les découvertes que l'on fit dans les salles de cette crypte étaient aussi terribles qu'insolites. L'orgue à la voix éraillée tout d'abord, mais aussi une grande chapelle voûtée, avec des bancs en bois et un autel de forme étrange. Les murs contenaient de petites cellules, et dans dix-sept d'entre elles on trouva, c'est horrible à dire, des prisonniers isolés et enchaînés, dans un état de prostration totale. Parmi ces prisonniers, il y avait quatre mères et leurs nourrissons à l'apparence curieuse et perturbante. Ces derniers moururent peu après avoir été exposés à la lumière. Étant donné leur état, les médecins jugèrent que c'était une chance. Parmi ceux qui les examinèrent, nul à part Malone ne se rappela la sinistre question du vieux Del Rio. An démones incubi et sucube, et an extali resu proles nasciqueat. Avant de combler les canaux, on les dragua soigneusement, ce qui permit de découvrir une prodigieuse quantité d'os sciés et brisés de toute taille. Il ne faisait aucun doute que l'on avait trouvé l'origine de l'épidémie de kidnapping, même si, parmi les prisonniers survivants, deux hommes seulement purent être reliés légalement à l'affaire. Ils sont actuellement en prison car ils n'ont pas été jugés complices des meurtres à proprement parler. Le piédestal, ou le trône doré et sculpté dont Malone a si souvent souligné l'importance occulte, ne fut jamais retrouvé. Cependant, sous la maison de Swedham, le canal s'enfonçait abruptement dans un puits si profond qu'il était impossible de le draguer. On en boucha l'entrée et tout fut cimenté quand les caves des nouvelles habitations furent construites. Malone, toutefois, a son idée sur ce qui se trouve sous sa surface. Satisfaite d'avoir anéanti un dangereux gang de maniaques et de trafiquants, la police livra les de non condamnés aux fédéraux. Avant de les renvoyer chez eux, on découvrit sans erreur possible qu'il s'agissait de yézidis, un clan d'adorateurs du diable. Le caboteur et son équipage restent un mystère, mais des policiers sont prêts à les traquer où qu'ils se trouvent, pour mettre un terme à leurs activités de contrebande de marchandises et d'alcool. Malone pense que ces enquêteurs, dans leur cynisme, font preuve d'un grand manque d'imagination. Ils ne voient rien d'étonnant dans les innombrables détails qui restent inexpliqués, ni dans la confusion pourtant parlante qui entoure toute cette affaire. Et il faut dire que Malone n'est pas plus tendre avec les journaux, qui n'ont vu dans cette histoire que matière à faire du sensationnalisme morbide, tout en se moquant de ce qu'ils considéraient comme un petit culte sadique sans importance. Alors que, pour l'inspecteur, il aurait été plus exact de parler d'horreur venue du cœur même de l'univers. Cela dit, Malone est bien content de se reposer à Chupatchet et de ne plus discuter de tout cela il se calme les nerfs en espérant qu'avec le temps sa terrible expérience, encore présente à son esprit, passera du domaine de la réalité à celui du pittoresque et du semi mythique. Robert Sweedham repose auprès de son épouse au cimetière de Greenwood. Ses restes, retrouvés dans de si étranges conditions, furent enterrés sans cérémonie, et ses parents éloignés se félicitent de ce que toute l'affaire ait si vite sombré dans l'oubli. L'implication du savant dans les horreurs de Red Hook ne fut jamais légalement prouvée, puisque son décès a mis fin par avance à l'enquête dont il aurait fait l'objet. On parle peu de sa mort, et les Swédames espèrent que la postérité ne se souviendra de lui que comme d'un ermite inoffensif, qui s'intéressait à la magie blanche, et au folklore. Quant au quartier de Red Hook, il n'a pas changé. Swedam est venu et reparti. La terreur a enflé, puis est retombée. Mais l'esprit maléfique nourri de ténèbres et de sordides couve toujours chez les êtres bâtards qui habitent ces vieilles maisons de briques, et les bandes de rôdeurs continuent de parader sans que l'on sache ce qu'elles cherchent. Devant les fenêtres où inexplicablement apparaissent et disparaissent lumières et visages tordus. L'horreur, vieille comme le monde, est une hydre à mille têtes, et les cultes du mal ont leurs racines dans des blasphèmes plus profonds que le puits de Démocrite. Partout l'âme de la bête triomphe, et les légions des jeunes de Red Hook, aux yeux chassieux et aux visages grêlés, défilent d’abîmes inconnus en abîme inconnu en chantant, jurant et hurlant, poussés par les lois aveugles de la biologie qu'ils ne comprendront peut-être jamais. Comme avant, il entre plus de gens à Red Hook qu'il n’en sort par la voie terrestre, et il se murmure déjà que de nouveaux canaux souterrains permettraient de gagner certains hauts lieux du trafic d'alcool et d’autres choses moins avouables. La vieille église ne fait plus office que de salle de bal. D'étranges visages apparaissent aux fenêtres, la nuit. Il y a peu, un policier a affirmé que la crypte condamnée avait été recreusée sans raison apparente. Qui sommes-nous pour combattre des poisons plus anciens que l'histoire, que l'humanité même les grands singes d'Asie dansaient déjà en l'honneur de ces horreurs, et le cancer rôde en toute sécurité et se répand partout où l'on se cache entre des rangées de briques pourrissantes. Malone n'a pas tort de frissonner. Il y a quelques jours à peine, un agent a entendu, dans l'ombre d'une ruelle, une vieille sorcière basanée aux yeux plissés enseignait à voix basse des mots de patois à un petit enfant. En tendant l'oreille, il a trouvé très curieux de l'entendre répéter en boucle Ô oh, ami et compagne de la nuit, toi qui te réjouis des hurlements des chiens et du sang versé, qui erre parmi les ombres entre les tombes, qui a soif de sang et sème la terreur chez les mortels. Gorgone, Mormon, lune aux mille visages, acceptez nos sacrifices.